Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la dernière tendance à la mode, non, aujourd'hui nous allons rester dans le passé avec notre série Retour vers le futur Happy Birthday, enfin Happy Blogiversaire, avec les années 90. Alors années 90, on aimait bien les trucs un peu ethniques, vous voyez, genre ouais, on parcourt le monde, on est super chic, machin. Et donc j'ai décidé d'exploiter la partie un peu macaron de ces années 90, on aimait bien faire des petits trucs comme ça, pas très joli forcément, mais c'était un peu ethnique. Pour les macarons, on va commencer par faire deux petites couettes sur le côté qui vont nous servir à faire les macarons après. Donc raie au milieu et montage de macarons, deux couettes. Voilà, mes deux petites couettes sont montées, et là je dois vous avouer un truc, je me coiffais comme ça dans les années 90. Voilà, vous avez la coupe, la vraie coupe, c'est comme ça. Mais bon, là c'est un peu facile, donc je vais pas m'arrêter juste à la vraie coupe. On va monter les macarons. Alors vous avez vos petites cuettes, Emma Bunton, Spice Girl, remember? Et donc vous allez torsader, tout va bien, hein, je ne sais plus parler. Non mais ça m'émeut de me revoir coiffée pareil mais plus vieille, vous voyez, c'est, tu te dis waouh. Eh ben dis donc, pourquoi tu faisais ça? C'est un peu le... Bon. Alors, pour les macarons, on prend, comme ça, on torsade et après on monte le petit macaron. Alors surtout, ça devait pas être parfait, ça devait être limite un peu genre à l'arrache, alors que c'était pas du tout à l'arrache en fait. Vous voyez, c'était un peu esprit antenne. Bah oui, à l'époque, il y avait X-Files, Buffy contre les vampires. On aimait bien tout ce qui était un petit peu paranormal. Donc, les antennes, c'était obligé. Pour le reste des cheveux, vous pouvez rester normal. À l'époque, je pense qu'on aurait fait un truc très lisse pour donner un coup de fouet dans ce volume qui venait des années 80. Non, on faisait tout l'inverse. Donc, on aurait fait ça. Bon, moi, j'ai un peu laissé tout à fait normalement. Et voilà donc, la coiffure est terminée, voilà comment on se serait coiffé si nous avions été dans les années 90. Et je vous donne rendez-vous demain pour le maquillage qui va pas être une masse à faire. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.